Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ici Karasu Cosplay. Aujourd'hui, on retrouve pour la suite des épisodes de réaction. La dernière vidéo est sortie en décembre. Je la tourne le même jour, mais c'est aujourd'hui que vous allez la voir, parce que faut pas toutes les sortir en même temps, sinon on va sortir à la fin décembre. Ça sera ma convenance au montage de savoir quand je vais sortir ça. Donc, c'est parti pour une deuxième série de réactions des vidéos de Roudaf sur Demon Slayer. Je vais pas commencer par l'épisode 1, parce que c'est celle qui m'a fait le plus réagir, donc je vais commencer par ceux-là. Donc là, ça va être mes réactions à ces réactions des épisodes 4 et 5 de Demon Slayer pour l'instant. C'est le plus récent en date. J'attends qu'il en sorte d'autres, puis je vais en sortir à mesure qu'il en fait d'autres. Parce que, vous en doutez bien, j'aurai des réactions à chaque épisode, mais je peux pas toutes les faire. J'ai sélectionné quelques épisodes, ceux qui m'ont fait le plus réagir, comme j'ai dit. Donc, c'est parti, transition. Oh mon dieu, calme. Oh, j'ai un petit quelque chose à vous donner. Un torchefion. Zenko la blonde. Ah mais c'est Zenitsu. C'est vrai qu'il s'est kidnappé. Il se déplace en faisant tout plein de gestes dans tous les sens qu'il voit le genre. Comme ça. Comment ça il viendra pas? Il s'est passé quelque chose? Il est parti refaire sa vie à Waichao. Mais ils vont jamais abandonner Zenitsu. Mac ma main. Regarde ma main. Canoë. Excuse-moi, j'étais posté là-bas pour observer. Je t'ai relié tous les bâtiments. Oh, ça. Quelle personne. Non, c'est peut-être plus une personne par contre. En fait, il faudrait se demander. Alors, Zenitsu, oui. Les femmes, peut-être pas. Et surtout, quoi qu'il arrive, t'as pas intérêt à mourir. C'est mignon un peu. C'est exactement ce que j'allais dire. Allez, on y retourne. Allez, on y retourne. J'adore Inosuke en vrai. Au début, il était un peu bizarre, mais plus on connaît, plus il est génial. Nasco, j'en ai ras le pion que je te lèche les mains. Son chien, son chat, c'est chiant. Mais Koinatsu, je suis pas sûr qu'elle soit si gentille. Maintenant, tout le monde est soupçonnable. Koinatsu. Sumiko, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, bordel de merde. Ta tenue, Sumiko, quelque chose a changé. Tu fais plus sonner que j'étais. Ah bon, ah d'accord. Oh, c'est cool qu'elle ait posé aucune question. Moi qui pensais que personne n'avait vu que c'était un déguisement. Sérieusement? Oh là là, attends, Jiro, t'es en train de tout en dire là. On sait pas, ça peut être n'importe qui. Elle a l'air gentille, mais je trouve que qui ressemble à Daki, elle va être heureuse. Elle va vous faire Zenitsu juste après là. On nous la montre toute seule juste après. Ah non, non. Ah merde, voilà. Ah non, elle soupçonnait alors qu'elle est gentille. Oh là 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 là. Ah non, mais du coup. Merde, mais je l'ai soupçonné alors que ça se trouve, elle va crever maintenant. Une légère odeur sucrée. Ah, une odeur. Ah putain, Daki a une odeur sucrée. Wow, il y a jambes musclées, conique. Quoi? Il est pas que sa tête. Attends, mais il sourit sous stéroïde. Il sourit sous stéroïde. Quoi? Attends, bon, ça c'est un peu stylé. Oh bon, ça va être stylé. Ah, merde. L'horreur aux cheveux blonds. C'est la déso des bêtes d'abord. Oh, mais. Merde, mais c'est. Ah, oui, elle n'est pas encore morte. Mais Nezuko, elle en a pas pris plein la gueule dans la boîte là. Genre, vous avez pas prévu un signal entre vous? Non, on est bon, il y a pas de pitié, il demande. Et te faire l'honneur de les dévorer. Arrache-moi les yeux quand tu veux. C'est ça, ouais. Excuse-moi, Nezuko. Ouais, vaut mieux poser Nezuko là. Vous m'avez dit que les combats étaient stylés. Ouais. Genre, c'est beau. Esthétiquement, c'est magnifique. J'ai piégé. Je trouve très bien. C'est très bien. Alors, ce plan était. Je veux se la faire, la lune supérieure, je veux se la taper. C'est vrai que le poney prend dans la taille. Inatsu, tu vas pouvoir tenir. Il est gentil avec elle, monte un peu dans mon estime. Bon, c'est sûr, il y a une de ces femmes qui va mourir. Là, sous terre. C'est vrai, il y a une hyper-sainte. Mais comment ça, en dessous? Ouais, ce plan est très intéressant. Par contre, genre, les villes sont... Elle a créé une grosse ville en dessous. Enfin, je sais pas. Seulement quelques coups contre moi et elle est déjà toute émoussée. Oh, le forgeron sera pas content. Son katana est déjà très abîmé. Il va se faire défoncer la gueule par le forgeron. Il va falloir en commander un autre. Ouais. La lame s'abîme quand elle n'est pas bien manipulée. Ah bah nickel. Il n'arrive pas à l'utiliser volontairement, la danse du feu. Vals. Ah mais si, en fait, il y arrive. Ciel d'azur. Ah. Jusque là, je n'ai jamais réussi à les enchaîner. D'accord, il peut l'utiliser qu'une seule fois, sinon après... Je dois m'enflammer. Enflamme-toi comme Ren Goku. Est-ce que c'est son souffle? Ouais, tu t'attendais pas à faire face au souffle original, hein. C'est fini pour toi. Oh là là. Il passe rapide. Je pense qu'il va y avoir besoin de Nezuko bientôt. Le souffle de récupération. Oxygène. 38 de fièvre pour le souffle du soleil, ça va. Il me semble qu'une fois je suis monté à 42. Dans le jeu 42 par contre. Faudrait que je vous raconte cette histoire. J'ai failli crever. Ça monstre à tête de sanglier, il fait des trous dans le sol et dans le plafond. T'inquiète. Oh.
Il connaît pas le concept d'escalier et de porte. Il est là au-dessus. Il est là au-dessus. J'ai juste à me déboîter les articulations pour pouvoir se filer trop. Ah, il vient de se déboîter les articulations pour... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, il est tout disloqué, là. Oh, des chouches partout, nickel, j'adore. Oh, il y a beaucoup d'ossements humains, visiblement. Hein. Je crois qu'elle a consommé les chouches. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci? Une mouche s'est posée sur moi. C'est quoi ce gros verre? On dirait un asticot-mètre qui sort de sa pièce. Il arrête pas de la clasher tout à l'heure. Ah, mais il suffit de couper les fils pour libérer les dames. Oh, la viande fraîche, elle va dessécher, attention. Picasso. Par contre, je crois que du coup, il faut pas couper au mauvais endroit. Parce que sinon, tu coupes la personne en deux. Attends, mais quoi? Il parle de la pensée, c'est l'ignisie. Gros asticot. La cache encore. Oh, oh, les fans de Tengen. Et c'est pas juste parce que. Ouais, non, c'est ça. Putain de merde. Souffle de la foudre. Oh, mais. Il a libéré Zenitsu aussi. Oh, oh, let's go, let's go, let's go. Il faut jamais. Non, c'est ça, faut jamais qu'il se réveille. Et surtout, pendant qu'il attaquait. Attends, il nous souffle qu'il a un gueule et je crois qu'il le tape avec sa jambe et lui dit allez, refais la lumière. Oh oh, Tengen arrive. C'est juste que les gens qui l'entendaient se battre dans le sol, c'était Inosuke et ses femmes, c'était pas Tanjiro. C'est-à-dire que genre Tanjiro est juste tout seul face à la vraie Daki. Oh là 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 là, je crois qu'il a libéré tout le monde là, ça y est. C'est pas craqué quand même. Wesh, mais pourquoi il a changé de coupe? Il était trop sexy comme ça. Je vais combattre et ce sera avec ma hache. Est-ce que lui aussi il va crever? Bah apparemment on verra ça dans la prochaine vidéo hein. Voilà, tout de suite il faut que j'aille pisser. Il s'est retenu de pisser. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. J'en ai.